Donc, comme j'ai dit, on va dessiner une sphère. Donc, j'ai ça, c'est l'origine de la sphère. C'est comme ça. Et puis là, j'ai le point M. Et là, c'est le rayon de la sphère. J'ai là un angle θ. Voilà. Donc, je vais dessiner un petit demi-cercle comme ça. Et un autre demi-cercle comme ça. Voilà. Et puis, je le dessine là, dans l'autre face de la sphère. Voilà. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la détermination de ce petit élément de surface dS qui est là. Donc, si je prends ce petit élément de surface, c'est quoi en fait? Donc, je vais appeler ça d'ailleurs un arc AB. Je parle de ça. Je parle de ça. Ça, c'est l'arc AB. Et puis, cet autre arc, celui-là, voilà, je vais l'appeler CD. Et puis, bien sûr, mon élément de surface est ça. Hein. Donc, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'est cet élément de surface est égal à combien? Voilà. Donc, voilà mon petit élément de surface. Si je veux le calculer, il suffit de faire l'arc AB fois CD. Ça va me donner DS. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'arc AB, est égal à combien en fait? C'est très simple pour le calcul. Si je veux calculer l'arc AB en fait. L'arc AB est égal R fois dθ, fois la variation élémentaire de l'angle θ. Donc AB, l'arc AB est égal à R dθ. C'est très simple en fait. Donc comme j'ai dit, ça c'est un cercle là. Donc imaginez que j'ai un cercle. Et puis là j'ai le rayon. Et là j'ai θ. Et puis ce qui va m'intéresser, c'est le calcul d'un arc par exemple là qui est AB. Si je veux ce AB, il suffit de faire le rayon fois la variation élémentaire de cet angle. Parce que ça varie, donc l'angle varie, et puis le rayon, ça fait comme ça, bon, et puis c'est pour cette raison ce que c'est R dθ. Parce que si je veux tout ça, il suffit de faire R, c'est 2πR. Si je veux le périmètre du cercle, c'est 2πR. Et si je veux une toute petite partie qui est un arc, c'est R dθ, la petite variation de cet angle. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je fais R dθ. Donc si je veux calculer CD, l'arc CD, c'est très simple. Donc en coordonnées sphériques, donc là je fais la projection, là j'ai l'angle phi, hein, comme ça, donc ça c'est l'angle phi. Donc regardez-moi s'il vous plaît bien cette distance, hein, donc je fais comme ça pour, donc là, donc regardez-moi cette distance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire cette distance fois dφ. Donc, cette distance, je la note par exemple ρ. Donc, CD, c'est ρ. dφ. OK? Donc, mais ce ρ est égal à combien en fait? Ce ρ est égal à R sinus θ. Pourquoi? Parce que ce triangle-là, il est rectangle, ce triangle. Donc, vous allez comprendre. Donc, si je prends ce triangle et je le place dans le plan, ce sera comme ça. Hein? Donc, ça, c'est l'angle θ. Et ça, c'est la distance ρ. Et puis là, c'est R. Donc, si je veux ρ,
rho est égal à R sinus θ. Donc finalement, CD, c'est R sinus θ d phi. Donc CD, c'est R sinus θ d phi. Et voilà. Donc DS est égal, donc c'est R carré sinus θ dθ d phi. Donc ce DS est un petit élément de surface de la sphère est égal à R carré sinus θ dθ d phi. Donc il faut le noter s'il vous plaît, parce qu'on va l'utiliser pour le calcul du flux. Donc je vais le noter en rouge pour que vous le notez bien. Donc DS est égal R carré sinus θ dθ d phi. D'ailleurs, on a vu la démonstration, elle est là. Donc voilà, ça pour ce qui concerne cette partie. La partie, c'est une partie où il y a des rappels et où il y a cette donnée qui est très très importante qu'on va utiliser pour le calcul du flux. Donc après, on va calculer le flux, c'est très simple. Voilà.